Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, l'un des cinq piliers de l'islam, car l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Dieu seul, sans associé, et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, et également l'accomplissement des cinq prières, qui est le deuxième pilier, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat, et qui est le troisième pilier, le jeûne du mois de Ramadan, qui est le quatrième pilier, et le pèlerinage à la maison sacrée. Donc le jeûne est une obligation pour tout musulman. Selon le texte du Coran, la tradition du prophète, à lui le salut et la paix, et le consensus des savants. Et il a été prescrit par le verset où Allah le Très-Haut il dit « Oh vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne tout comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, comme on l'avait prescrit aux communautés des prophètes qui nous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc l'objectif du jeûne, c'est de cultiver chez le croyant l'atteinte de la piété, c'est-à-dire le respect des injonctions sacrées de son Seigneur en tout lieu et en tout temps. Alors, ce qui lui est permis de faire durant les journées de jeûne, ou alors ce qui lui est recommandé de faire, c'est de s'adonner à une période d'intense adoration, d'être dans la lecture méditative du noble Coran, de beaucoup évoquer son Seigneur avec les formules de gloire, de louange et les formules de demande de pardon, mais aussi d'être tellement généreux, d'offrir aux autres qui ont jeûné de quoi rompre le jeûne, car le jeûne est une école de la fraternité et de la solidarité, car en goûtant à la famine du jeûne, on comprend la situation de nos frères qui n'ont pas parfois de quoi manger, mais aussi d'exprimer d'une manière générale. Le jeûne, c'est d'exprimer tout ce qui est bien, de produire tout ce qui est bien et de s'abstenir de tout ce qui est mauvais. Voilà une définition très claire du jeûne. Alors, ce qui est interdit, il lui est interdit de manger et de boire volontairement durant les journées de jeûne. Si c'est par oubli ou par erreur, alors il est pardonné. Mais aussi, il lui est interdit d'avoir des rapports avec son épouse en journée de jeûne. Il lui est interdit aussi de prendre des injections nutritives, car ça remplace aussi la nourriture. Et certains actes, il doit observer ce jeûne-là de l'aube jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'adorer son Seigneur et en s'abstenant de tout ce qui pourrait rompre son jeûne.